Rappelez-vous ce vol spectaculaire de diamants sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles, c'était en février dernier. Eh bien, une trentaine de personnes ont été interpellées mardi et mercredi en Belgique, en Suisse et en France. Et une partie du butin a été récupérée. Après 3 mois d'investigation, l'enquête a abouti à ce coup de filet international mené par 200 policiers de ces 3 pays. Plusieurs objets ont été saisis dans le cadre de ces perquisitions. En Suisse, on a retrouvé des diamants dont on peut d'ores et déjà dire qu'ils proviennent du braquage. Et en Belgique, de grosses sommes d'argent ont également été retrouvées. Et donc, à l'heure actuelle, l'enquête suit son cours. Le 18 février dernier, sont tirés un seul coup de feu et en l'espace d'une dizaine de minutes, 8 hommes armés braquent un camion de la Brinks et les pilotes de l'avion qui s'apprête à décoller pour Zurich. Ils s'emparent de 120 colis contenant près de 38 millions d'euros de diamants.